prisonniers politiques. Yo, m'a parlé de Pierre Kilik, m'a parlé de Fleurette Jean-Pierre, m'a parlé de Arnel Belizer, Estéril Mackinson, Gary Philemon, et c'est de yo m'a parlé. Ça fait plus passer 17 mois yo en prison. Moi croire moment arrivé pour yo quitter prison. Moment arrivé pour yo rentrer la caillou. Moment arrivé pour yo joindre famille yo. Moment arrivé pour persécution politique qu'a fait sur yo à suspend. Et Jean met maison œuvre sur dit déjà. Et grand pile démarche qui fait. Et pendant n'a parlé là dossier yo en état de recevoir jugement. Dossier en état d'être plaidé à la cour d'appel de Port-au-Prince. On parle matin avec commissaire du gouvernement, il va nous garantir que d'ici après-midi a bon citation qui pourra aller dans prison hein, pour yo capable connait pour apena capable mener yo dans cour d'appel. C'est-à-dire que le dossier est déjà enroulé, le dossier est déjà distribué par devant la composition du lundi. Et bon citation qu'a préparé qui va joindre le dossier est en état de recevoir jugement et je crois que nous allons nous battre d'accord pour obtenir leur libération parce que le moment arrivé pour ça et féliciter tout avocat qui bataille dans dossier ça me penser de façon particulière à mettre Caleb Jean-Baptiste qui va arriver là qui bataille en pile avec yo pendant tout temps au fait dans prison hein me penser avec maître Stanley La Fortune. Je pense avec M. Palvin, qui goumen en pile avec vous pendant tout le temps que vous faites dans la prison. Aujourd'hui, non seulement nous mobilisons comme avocats, mais en tant que structure politique, le secteur démocratique est mobilisé sur cette affaire. Et le moment pour vous quitter la prison est arrivé. Et nous allons nous battre dans les jours qui viennent pour obtenir leur libération. Je nous tous connais le secteur démocratique là. Et ces organisations. Population liée par bon monde lié. Dans moment ça nous penser de façon particulière à ouvriers yo, ouvriers agricoles, ouvriers qui travaillent dans factory particulièrement, qui touchent un salaire de misère parce que nous connaissons le mot d'ordre des factories. C'est ouvrier poitrinaire, patron millionnaire. Nous pensons avec yo parce que samedi c'est 1er mai. C'est pour la fête du travail mais en Haïti non seulement pas de travail, mais grand monde qui travaille, surtout ceux qui travaillent dans la factory, c'est pété à pété fiel. Nous pensons avec eux, et c'est ça que fait Timothée pour parler de ça, les dirigeants du secteur démocratique et populaire, les militants, population, supposés accompagner les ouvriers dans la manifestation qui est lancée pour 1er mai, 2 mai, parce que justement, pas capable d'un pays qui construit son exploitation aussi à outrance. On n'accepte pas ça et c'est ça le sens du combat du secteur démocratique et populaire. Maintenant, je dis à ce moment pour nous rappeler position secteur démocratique et populaire. Parce que nous avons parlé de négociations avec Jovenel, nous avons parlé, c'est le moment de rappeler la position de principe du secteur démocratique et populaire. Position principe secteur démocratique et populaire, nous ne pouvons pas négocier avec aucun assassin. Jovenel participer, même gens avec Barbecue, même gens avec Genève, dans le massacre de la population de la Saline. Jovenel Moïse participer dans le massacre Belay, dans le massacre Cité Soleil. Ça veut dire, ou pas joindre secteur démocratique là, son table de négociation avec Jovenel Moïse. Par rapport à ce pouvoir, notre position est claire, nous sommes dans le ni-ni. Ni négociation, ni cohabitation avec Jovenel Moïse. Nous ne pouvons pas la dame. Nous ne pouvons jamais joindre secteur démocratique là, non cohabitation avec Jovenel. Nous ne pouvons jamais joindre secteur démocratique et populaire, non négociation avec Jovenel Moïse. Et m'a rappelé tout le monde, attention. 7 février 2021, dans la soirée, société civile là, ensemble avec classe politique là, tout le monde qui est en opposition, nous te mettez ensemble et nous te choisi Joseph Mécène Jean-Louis, le juge le plus ancien à la cour de cassation pour diriger la transition. Nous ne pouvons pas oublier ça. Parce que moi, j'ai mon bien oublier ça. On ne peut pas faire ça. C'est un homme de 74 ans. Il y a maturité, il y a famille,
nous prenons, nous engageons pour le vice président provisoire transition. Hein? Nous pas capables de oublier, nous te choisir. Nous pas accepter coup de couteau dans dos ça. Nous pas accepter yo poignarder Joseph Vincent Janvier. C'est une question de morale politique. Je dis à son monde besoin par les négociations à l'ouest Messène Jean-Louis. C'est le président désigné par l'opposition et la société civile pour diriger la transition. Communauté internationale besoin par les négociations à le parler avec Joseph Messène Jean-Louis. À le parler avec elle. Parti politique besoin négocier. Parler à le parler à Joseph Messène Jean-Louis. Et société civile besoin négocier. Besoin parler à le parler. Avec Joseph Messène Jean-Louis, n'a négocié avec elle, l'a dit nous, mais qui n'est pas le premier ministre, mais qui femme l'a mette, elle parlait pour le gouvernement avec Joseph Messène Jean-Louis. Nous ne pouvons pas accepter. Aucun monde levant bon matin, et puis pour nous, pour aller faire accord avec Jovenel, pour aller en cohabitation avec Jovenel. Attention, mes chers compatriotes, nous avons la responsabilité morale de respecter le choix que nous avons fait. Le 7 février au soir, du juge le plus ancien à la Cour de cassation, Joseph Messène Jean-Louis, pour diriger cette transition de rupture. Et le choix de Joseph Messène Jean-Louis a été accueilli, validé par la population qui est descendue dans la rue, à Port-au-Prince comme dans les villes de province, pour dire « Vive Joseph Messène Jean-Louis, président de la République ». Je dis à ou pas qu'à dire, ou à parler négociation, et puis c'est de Jovenel ou à parler. Non, c'est avec Joseph Messène Jean-Louis pour parler. La communauté internationale parler avec Joseph Messène Jean-Louis, parce que c'est lui-même, toute opposition, hein, société civile l'a choisi pour venir diriger la transition de rupture. C'est avec elle pour parler. Ou pas capable de t'oublier, de choisir. Parti politique, yo, écoutez, je vous rappelle à l'ordre. Nous avons choisi. Dans la concertation, le juge Joseph Messène Jean-Louis pour diriger la transition de rupture. Je dis à nous pas qu'à parler l'autre parole et puis n'oublier de choisir Joseph Messène Jean-Louis. Tout ça doit parler, je dis à, c'est avec Joseph Messène Jean-Louis pour le parler. Faut parler avec elle, faut aller côté, faut discuter avec elle. Ou pas capable de parler de sortie de crise si vous pas parler avec Joseph Messène Jean-Louis. Ou pas capable de parler de gouvernement. Si vous ne pouvez pas parler avec Joseph Messène Jean-Louis, le secteur démocratique et populaire est attaché. Le secteur démocratique et populaire est attaché au choix de Joseph Messène Jean-Louis comme président de la transition. Aujourd'hui, nous reprenons notre position de principe. Nous sommes dans le ni-ni par rapport à Jovenel Moïse. Ni négociation avec Jovenel Moïse. Parce qu'on ne discute pas avec les voyous, les assassins, ni cohabitation avec Jovenel Moïse. Et toute négociation, discussion, parler en pile, formation gouvernement, Gontorok là déjà, y aurait l'île Joseph Messène Jean-Louis. C'est le juge le plus ancien à la Cour de cassation. Il a été choisi par l'opposition et la société civile pour diriger la transition de rupture. Il ne faut jamais l'oublier. Nous ne pas aller au matin, nous avons oublié de choisir, monsieur. Nous convaincre, nous parler avec elle, nous dit qu'il faut l'accepter. On ne peut pas oublier ça. Nous ne pouvons pas prendre on ne peut pas faire ça. Le secteur démocratique, la pape marche dans un rien. Tout autant, on parle par là Joseph Messène Jean-Louis pour discuter avec elle. Voilà notre position de principe. Et la bataille continue. Tout est haïtien conséquent à travers les pays qui engagent dans la bataille contre la dictature, contre les crimes, contre la corruption, contre tout ce qui a passé qui mal en dans le pays. C'est ça que fait nous dire tout avocat qui a goumé bon côté peuple pour mettre dehors prisonniers politiques, nous saluons courage. Et nous dit tout prisonnier politique qui est à travers les pays, qui est en prison, qui a fait abri dans le moment, dans tout département, nous solidaires avec eux. Et pas trop longtemps, c'est que tu as après sorti une liste publique pour tout le monde connaître quantité
prisonniers politiques qui sont sur le territoire et n'a exigé libération dans l'immédiat. Dans le même sens, là, nous voulons dire, communauté internationale, corps groupe, Union européenne, département d'État, nous comprenons position sur question référendum. Même là, il y a un petit genre flou. Jean département d'État te dit pour Jovenel que la constitution est floue sous mandat Jovenel, pendant qu'il connaît que tout le monde en dans le pays d'Haïti te dit mandat Jovenel fini 7 février 2021. Ces mêmes gens tout nous constatent dans le message joie qu'il y a un flou sous question référendum. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire c'est responsabilité peuple haïtien pour bataille contre référendum. Parce que Jovenel a fait peuple haïtien une provocation. Malgré tout le monde lever la voix pour dire que ce n'est pas possible. Mais Jovenel pas attendait. Même blanc qui patron et qui parle dans le langage ensemble avec elle, qu'il faut qu'on le comprenne. Et nous avons souhaité que le patron lui parle clair avec elle et pour monsieur éviter le pays à tomber pifon dans le chaos toujours. Et c'est dans ce sens-là, nous avons dit, quoi groupe, ambassadeur qui est en Haïti, il connaît la réalité du pays. Il connaît le grand problème d'insécurité dans le pays. Des questions. Kidnapping en d'un pays, enlèvement, assassinat. Par exemple, la mort Maline, une infirmière, regardez les gens mourir. Et l'État n'a pas dit rien. Pouvoir ça n'a pas dit rien. Pas d'enquête, pas rien. Les policiers sont tombés chaque jour. Pas de solidarité. Pas d'enquête, pas rien qui dit sous mort ça. Les gens ont kidnappé chaque jour. Pas de rien qui fait. Et c'est dans ce sens-là que nous avons demandé à la population. Plus de solidarité dans le temps. Là où kidnapping fait dans la zone, ce n'est pas seulement la zone pour lever camper. C'est tout le pays pour lever camper. Et je ne peux pas comprendre ce qui a passé les Haïtiens ces derniers temps. Comment faire assister qu'il y a kidnappé les gens partout? Et pas de rien qui fait. Et destin nous dans le menu. Nous avons écrasé la police. Pouvoir laguer nous pour contre nous, je dis à c'est nous pour défendre tête nous. Et c'est dans ce sens qu'on a demandé à la population organiser de façon disciplinaire, de façon ordonnée, principe, etc., pour permettre que yo sape question kidnapping. On kidnapping pas qu'à fait dans la zone. Pour moun sortir avec moun le kidnapper, il fait quelques kilomètres. L'aller avec nous, ce n'est pas possible. Il faut que nous kembe kidnapper. C'est vrai qu'il y a des kidnappers qui nous connaissent, par exemple, pour vous en place ça, définitivement par rapport à comportement. Et question kidnapping, non? Question insécurité, hein? Nous comprenons bien. Il y a crasé l'économie peuple, mais entre temps, il y a réglé la question politique en dedans kidnapping, non? En dedans insécurité. Hein? C'est pour faire mon paix, pour faire référendum, faire élection. C'est ça qu'on a besoin de faire avec elle. Et c'est ça que fait pendant nous-mêmes. Nous avons dit non à le référendum. Nous avons dit non avec l'élection Champrel. Mais nous avons dit qu'il faut que nous bataillons tout contre le kidnapping. Nous nous engager dans ce sens. C'est pour nous répondre comme groupe. Pour nous dire que l'élection qu'il a parlé là, n'est pas qu'à faire avec Jovenel. N'est pas qu'à faire avec quatre démologues là, sans pas une expertise qui fait sur quatre. Parce qu'un seul monde n'est pas 10-4 dans même. Ce n'est pas possible. Nous pas contre le système, nous pas qu'à entrer dans la question élection avec Jovenel, avec quatre démologues sans expertise parfaite sur yo. Et c'est dans le même sens, nous avons dit qu'au groupe, j'aime toujours dire là, nous prêts pour l'élection, mais il faut que les conditions soient réunies. Un, le départ de Jovenel dans l'immédiat. Ça veut dire nous-mêmes, André ne parle pas de ça, parce que nous-mêmes nous préparons déjà pour le départ de Jovenel. Affaire, on a parlé de préparation par impréparation. Encore, parce que nous-mêmes, au niveau secteur démocratique là, et en pile l'autre force politique et société civile là, nous préparer déjà. Ça veut dire, l'important pour nous, pour évacuer Jovenel, pour permettre que nous parlions question élection. Deux, faut question sécurité
li etabli an dan peyi a pou moun ka fè kanpay koto vle pou pale a pèp la pou pèp la ka vote. 3, fòk kesyon teknik yo yo rezoud. Fòk tout moun gen 4 nan men yo. Jodi a m'tande ke y a pale de 4 milyon, 4 etc. yo pral fè yo fèmen rejis referandè etc. Mais c'est de la démagogie. Bon, moi-même, quand je parle là, je n'ai pas gagné 4. André n'a pas gagné 4. Timothée, nous n'avons pas gagné 4. Parce que nous n'avons pas décidé de faire 4 de malogue là. Et nous n'avons pas fait tout autant que les conditions pas réunies. Ça veut dire, pas qu'il y a un référendum pour ne pas voter. Bon, moi-même, je n'ai pas gagné 4. Ça veut dire, nous n'avons pas un référendum avec Jovenel. Et nous n'avons pas un référendum Pépé. Nous n'avons pas un référendum qui pour bailler une couverture pour faire massacre. Pour faire crime, pour faire corruption. Quand on contente pour un ministre, pour faire tout zak, toute corruption, toute bagarre, et puis après ça, il n'a pas le droit pour répondre devant la justice. Ça veut dire. Ça veut dire que vous voulez institutionnaliser la question de vol, bandit, crime. Le peuple n'a pas d'accord ça. Et c'est dans ce sens, nous lançons un appel à tout secteur de la vie nationale. Tout le monde, même Jean, monsieur le ministre Sotfel, lui dit il n'y a pas de référendum. Et il faut un soulèvement général dans le pays. Je dis à un monde qui fait silence ou complice. Si vous faites silence ou complice, ou pas qu'il doit faire silence dans la situation que le pays est là. Et c'est dans ce sens que nous dit, Monsieur Blanco, nous-mêmes, nous pas dans l'élection à Jovenel, nous pas dans l'élection sans question technique qui n'est pas traitée, nous pas dans l'élection sans sécurité. Pendant que nous avons tout, le congressman yo. À cette fois-ci, le congressman yo frappé fort. Et yo frappé pendant que ce pouvoir, l'administration Biden, nan, yo parlé avec l'administration Biden. Nan, pour le département d'État, ressaisir. Et nous féliciter le congressman sa yo, tout au commencement, qui a condamné massacre la Saline, qui a condamné tout ça qui a passé contre le peuple haïtien, nous féliciter pour le courage. Yo, et nous croyons que le congressman sa yo, c'est des vrais amis peuple haïtien. Yo parle vrai langage là et c'est dans ce sens ça nous encourager continuer travail beaucoup de peuple haïtien pour nous avancer vers solution pour libérer peuple haïtien. Et c'est dans ce sens ça n'a demandé population rete mobiliser parce que provocation que Jovenel a fait là pendant que blanc patron lui parle pas les clair avec elle. Ah, mais c'est nous pour parler clair à Jovenel. Ça veut dire question référendum, non? Nous-mêmes, nous décidons de battre à Jovenel sous question référendum, non? Et nous pas dans l'élection sans que les conditions pas réunies et nous pas dans l'élection année. Ça a fait l'élection 2021, nous avons parlé à Sebaï Bouyvide pour qu'un pays a dans un système pesé sous ces non crises infinies et pour toujours traiter les Haïtiens de ça, nous connaissons pas traiter, non? Et dans ce sens, nous pas dans l'élection avec Jovenel et nous pas dans l'élection Anessa parce qu'il y a pile bagaille qui pour résoudre Anessa trois plus pour résoudre. Pour nous dire nous-mêmes c'est un départ immédiat que nous y est. Nous pas dans aucun parler français, parler jargon, parler espagnol avec monde qui a écrit ou bien qui a parlé l'autre parole. D'ailleurs, conviction nous c'est boussole nous et ça permet population toujours suivre nous à chaque mot d'ordre que nous lancer. Qui donc nous-mêmes question mon a parlé l'autre parole nous même nous pas là dedans c'est dans départ immédiat c'est là secteur démocratique là inscrit. Nous constatons ces derniers temps phénomène d'insécurité a li complètement augmenté et d'ailleurs tout le monde était well depuis sous directeur Normil Rameau la police a été mouri et kounya ak Léon Charles la police a enterré depuis après opération 12 mars qui s'est passé là qui la cause près de 5 à 6 policiers perdu la vie. Tout le monde a absence policière dans la rue et qui vient permettre le phénomène d'insécurité à augmenter. Il était qu'on kidnappé 2, 3, 4 personnes par jour. Je dis à le passer à une vingtaine, presque une trentaine. Hier, tout le monde a constaté que c'est presque toute capitale là, tout département de l'Ouest qui était bloqué par rapport à avec monde qui a kidnappé à droite à gauche. Mais nous venons la matin pour nous dire, peuple haïtien, si chaque fois qu'on kidnappé un monde dans un petit coin, et puis nous faisons des bagailles dans un petit coin, et puis après ça, nous restons là. Yo fait carré à kidnapping. Mais si nous tous levons un bon matin, nous barrer en haut, nous barrer en bas, nous bloquer tout côté, bonne garantie, nous avons joué un remède phénomène de sécurité ça, kidnapping ça, Jovenel mette. Et pouvoir mettre uniquement pour capable mettre parole insécurité dans bouche nous pour prolonger
avec question référendum, pour avancer avec question élection. Nous-mêmes, nous venons dire, peuple haïtien, plus gros remède pour nous couper le phénomène de sécurité, c'est l'op pour nous l'op tout côté. D'ailleurs, tout le monde, personne ne peut pas épargner. Tout secteur jeune, tout le monde net mouillé de phénomène insécurité ça qui est là. Et je dis, on est capable de dire, c'est presque deux présidents PHT qui ont passé là, ils ont fait deux cabesses. Premier, c'est jour, Michel Martelly, il fait deux cabesses dans ce qui est légalisé, bandit légal. Et Jovenel Martelly, même président Gangyo, il fait deux cabesses par là, on l'autre pas dans légaliser question kidnapping. Nan. Et je dis, tout le monde qui sortit dans la rue, doit sortir à quai cassé. À quelle sauté. Mais ça grave là, jusqu'à présent, je viens de supporter quelques pays dans l'international là par rapport avec gagotte que vous faites dans tel pays. Je dis à nous constater, Raymond Zao dans tel pays, c'est gangou, misère, chômage, la vie chère, insécurité, gang tout partout. C'est ça qui est pour nous. Et nous, ouais, grande population qui, comme Simdadou, qui croise pour être dit, qui a gardé tout ça qui a passé. N'a pas gardé mon yap kidnappé. N'a pas gardé mon yap touillé. N'a pas gardé mon yap mettre dans prison mal. N'a pas gardé la police qui a baillé gaz tout partout. Mais je dis à tout le monde constater, la police est extrêmement puissante. Laisse mobilisation pour le bail gaz, pour craser, pour empêcher le peuple à revendiquer. La police vraiment absent chaque fois massacre a fait dans le quartier populaire, notamment la Kaye Mbele. Je dis à nous constater, le pays a livré pour contre lui. C'est comme quoi que l'on monde dans la rue, c'est l'éternel qui peut permettre qu'on rentre la Kaye. Alors que le groupe monde qui prend le pays à d'assaut depuis 7 février 2021, mandat est fini. Premier kidnappé à ces Jovenel Lié. Les kidnappés ont pouvoir depuis 7 février 2021. Et je vous dis à la baille kidnappée ou j'arrête pour continuer à kidnapper la population haïtienne. Nous venons là pour nous dire avec le peuple haïtien matin, tout mois de mai, pour arriver au mois de juin dans la période de référendum, nous décrétons mois de mobilisation. Ça veut dire tout ça qui a fait pour empêcher les gens de arriver dans la route que vous voulez, nous-mêmes nous faisons. Et ça fait nous demander avec tous les employés factoriaux. Nous-mêmes, nous déjà assumer responsabilité nous pour nous camper de bon côté au 1er 2 mai dans ça, nous allons faire. Nous répondre présent. Et ceci, tout dirigeant secteur démocratique, tout base, n'a pas accompagné. Demain, c'est presque même petit bagage là. Pour l'autre date, nous n'avons pas même besoin de parler parce que nous-mêmes, nous prenons responsabilité nous. Pour nous dire, nous allons faire virer presque dans 10 départements géographiques pays. Pour nous parler avec base nous. Pour nous soulever. Pour nous mettre dans l'esprit de Jovenel, pas qu'un bon pays, pour nous laguer nous dans l'état ça. Mais tout pour nous retourner pour au presse. Et à partir de là, pour combat a démarré. Question n'est pas le référendum, blague. Question n'est pas l'élection, blague. Et demander avec peuple haïtien. Si je venais jouer l'argent pour le croquer, pour le cadre référendum tout partout, ça veut dire que si vous ne pas nous manger, si vous ne pas vous avez gagné l'argent pour ça. Pile. En pile, freine, action. Et cap souffri dans les différentes prisons. Et vous repartir dans un paquet de prisons dans différents coins du pays. Gen Anel Belize, gen Job, gen Pierre Kilip, Kilik Semelus, gen Paul Joanel, gen et Fanel alias Sibekan, gen Jean-Denis, bon paquet qui l'en prison jounen jodi a, et que nous pataka pas fait preuve de solidarité à l'égard de moun sa yo, puisque yo même avec nous. Nous impliquons nous dans la même bataille là. À la question à qui phase dossier yo, dossier moun sa yo, prisonnier politique sa yo trouvé yo. Et déjà nous avons adressé pas mal de requêtes au commissaire du gouvernement près la cour d'appel du Port-au-Prince Claude Jean et à la présidente de la cour d'appel de Port-au-Prince, maître Noura Amilka Jean-François, pour nous montrer comment il est nécessaire pour dossier ça yo t'avancer. Et c'est comme ça nous qu'a dit journée jodi a là, nous sommes effectivement parvenus à contribuer à l'accélération de dossier prisonnier politique ça yo. Dossier et Paul Joanel Paul, Joanel, Pierre Kilik Semelus et Anel Belize et autres, nous avons dit que je ne dis pas là, dossier ça yo, yo en état pour yo joindre jugement. La présidente de la cour a déjà procédé à la désignation d'une commission de la cour devant
se prononcer sur le sort de ces prisonniers politiques. Si ce n'est pas lundi demain que dossier attendait au niveau du cours là, c'est l'autre lundi. Mais comprenez bien, c'est un lundi quand même, rapide, vite, que dossier ça pourrait attendait au niveau de la cour d'appel du Port-au-Prince. Jean-Pierre nous connaît là, pas de véritablement de charge. Ces prisonniers politiques ont été arrêtés de façon arbitraire et illégale. On n'était pas en situation de flagrance. Pas gagné procès verbal de flagrance, pas gagné preuve, zamio. Yo reproché monsieur, yo, pas pour nèg yo. Mais comprenez bien, c'est là au fin fermé yo en de prison et que par la suite, il y a des âmes, yo dit âmes ça yo, c'est pour monsieur ça yo. Donc, on est d'accord avec même que ces prisonniers politiques sont bel et bien innocents. Et que même gens avec privation, liberté, thérapie, prisonniers politiques petit bois, ont été victimes, non, dans la veille 7 février, côté Jovenel, pas droit, continuer à rester dans le palais national encore, et qu'il était arrêté, Mounsao, c'est pour te justifier présence dans le palais national. C'est même bagaille à tout qui était fait dans le dossier. Et Anel Bélizer, Pierre Kilik, Paul Joannel et autres. Donc bref, nous ne comprenons pas là que ces prisonniers politiques sont victimes d'un abus de pouvoir. Et que c'est un abus de pouvoir que nous prenons combattre, nous prenons terrasser par devant et cour d'appel dans le jour qui vient là. Donc par là, nous demandons des parents yo, pour yo poser, yo, pour yo tranquilliser. Yo, et que dossier a kounya la la marche parfaitement bien. Heureusement, juge l'encours d'appel là, journée jodi a là, ils comprennent la nécessité de s'ériger effectivement un rempart de la question d'état de droit, un rempart de la question des acquis démocratiques, et que yo dit que yo pas soutenir pièce des ordres, pièce arrestation arbitraire illégale qui fait par Jovenel Moïse. Donc par là, tout nous inviter tout le monde, semaine prochaine, Nabguin pour nous rencontrer, pour nous rerouer encore par devant la cour d'appel de Port-au-Prince, dans le cadre de ce. Mobilisation que, quand on a un petit peu de ce parler là, c'est un passage obligé, c'est une urgence, et même une extrême urgence, et nous réseau pour ça. Jovenel Moïse, réculpé, l'usurpateur de titre, le délinquant, car tout le monde qui campe en face de la loi ou par l'autre dans ce délinquant. Le propre pays d'Haïti, ce n'est pas le propre pays d'Haïti, il va être capable. Patron, Madame Clinton, avec Maril, en complicité avec ce reste avec qui était dans tête conseil électoral là, ils ont mis le palais national à l'époque. À l'époque, tu as gagné 2 millions haïtiens environ qui étaient dans extrême pauvreté. Je n'ai gagné plus que 4 400 000 haïtiens qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à payer les qui n'ont pas à payer l'école, qui n'ont pas accès pour prendre même le plat au bajou. Ça veut dire que ça n'a pas arrêté comme ça. Et mes âmes constitutionnelles nous gagnent. Pour répéter sénateur Nenel Kassi et Kamal Timothée, c'est la mobilisation. Mobilisation dans tout sens, sous toute forme. Merci.